Franck Kessié, Cissé Aboul Karim, Karim Konaté ont rejoint le groupe de Patrice Baumel en stage de préparation depuis le 28 décembre 2021. En provenance d'Abidjan, ces trois joueurs ont débuté le travail le dimanche 2 janvier 2022. Ils ont été soumis à un programme de travail spécial. Les joueurs d'Abidjan sont arrivés hier soir, Karim Konaté, Aboulkarim Cissé et Franck Kessié, en attendant qu'ils soient testés PCR pour le Covid. On leur a fait faire sur un terrain à part un travail d'aérobie de 30 minutes de footing avec un renforcement musculaire et des étirements. 8 joueurs et un gardien de but ont participé à la séance d'entraînement de ce dimanche 2 janvier 2022. Aujourd'hui, donc le 2 janvier 2022, nous avons pu faire une séance avec 8 joueurs et un gardien de but. Donc une reprise de course avec un travail d'appui et puis un travail technique au poste. Et puis nous avons fait un travail de transition et de conservation 4 contre 4. Malheureusement, on n'a pas encore un effectif au complet puisque comme je vous ai dit, il y avait seulement 8 joueurs et un gardien de but. J'espère avoir tout le monde dans les prochaines heures, c'est-à-dire les 5 joueurs qui sont encore enfermés pour Covid, plus les 3. On aura un effectif un petit peu plus conséquent. Le contingent de joueurs évoluant en Premier League devrait rejoindre le groupe à partir du lundi 3 janvier 2022. Selon le programme de préparation, la Côte d'Ivoire devrait livrer un match amical le lundi 3 janvier 2022 face aux Comores.